tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Écoutez, nous sommes jeudi 14 décembre. Je commence ce vlogmas tout en beauté. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo vlogmas un petit peu particulière. Donc, si vous êtes émotive ou âme sensible sur l'amitié, préparez des Kleenex. Je pense que je vais vous faire peut-être verser une petite larme. Je vous préviens tout de suite, j'ai prévenu mes amies, mes bombasses, Sonia et Virginie, elles ont interdiction de regarder cette vidéo jusqu'à ce que je leur donne l'autorisation de la regarder. Je pense que, alors, il va falloir vraiment que je leur montre tout, la vignette, tout, en disant, celle-là, alerte, medley, medley. Je vous interdis de la regarder. Écoutez, je suis trop contente de faire cette vidéo, franchement. Et comme je vous ai dit, ça va être une vidéo émotion, mais en même temps pour vous, découverte et une passion que vous connaissez chez moi, la passion de l'aquarelle. Donc, il va y avoir plein de choses mélangées et vous allez vite comprendre. Donc, je vous dis à tout de suite. Je reviens vers vous sur cette vlogmas pour vous parler de quelque chose que j'ai découvert très peu de temps avant le CSF. J'ai découvert un compte Instagram qui s'appelle Atelier Mandala. Alors vous allez me dire Atelier Mandala. Oui. Alors Atelier Mandala est tenu par Alexia et Romana, qui sont la maman et la fille. Je vous mets une petite photo. Qui sont toutes les deux des artistes. Voilà. Ces deux femmes juste souriantes. Le soleil incarné. Elles sont d'origine donc indienne. Elles habitent à Lille et elles ont créé l'atelier Mandala, qui est donc une entreprise familiale. Ils sont basés à Lille. C'est français. Tout ce qu'elles font sont de fabrication française. Donc c'est plutôt chouette. Pourquoi je vous parle d'elles? Parce que je suis tombée, comme je vous ai dit, un soir, sur un post Instagram, parce que bah, je scrollais et il y avait de l'aquarelle, de la cuisine indienne. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et donc, j'ai regardé et je suis tombée sous le charme de ce compte Atelier Mandala. Alors, elles ont un concept, elles appellent ça le concept ABC, art, bien-être, cuisine. La maman étant donc indienne, elle a un talent culinaire de ses origines où elle vous montre comment cuisiner de la cuisine indienne végétarienne. Elles en ont sorti pour le coup un livre que je me suis acheté parce que déjà j'adore la cuisine indienne avec toutes leurs épices. Franchement, j'ai toujours aimé ça. Ce livre, donc, vous trouvez des recettes, mais de la vie de tous les jours. Donc, vous pouvez le faire tout le temps. À Paris, on trouve très facilement tous les produits d'épices. Il y a un quartier pour ça dédié dans le 10e arrondissement, près de la gare du Nord. Donc, si vous êtes parisienne et que vous aimez la cuisine indienne, ne vous freinez pas parce que vraiment, vous trouvez tout. Et livre... donc c'est la maman qui l'a écrit avec d'autres personnes ainsi que sa fille aussi. Voilà, il y a plein de belles recettes et à l'intérieur, en plus, nous avons des mandalas qui sont donc dessinés par Romana puisqu'elle est une artiste. Sa fille aussi est une artiste, Alexia. Et ce beau mandala qui est juste magnifique. Et au niveau des recettes, je peux vous dire que quand vous avez des plats, alors attendez, je vais vous montrer. Regardez ça, regardez ça. Le livre est juste incroyable. Et j'ai adoré. Et Cathy, pourquoi tu nous parles d'un livre de cuisine alors que tu fais de la couture et de l'aquarelle? Eh bien, en fait, ce livre, je l'ai acheté déjà pour les soutenir. Je l'ai acheté au CSF. Je ne sais plus trop son prix et ce n'est pas marqué, mais je crois qu'il est dans une vingtaine d'euros, en tout cas moins de 30 euros.
Je voulais les soutenir parce que j'ai adoré leur concept. Et donc, Alexia, la fille, a créé dans leur entreprise Atelier Mandala une autre entreprise qui s'appelle Kit and Kif. Donc, elles ont créé un kit nomade d'aquarelle avec des mandalas que vous pouvez peindre n'importe où. C'est un kit qui a connu un succès. Il s'est baladé. Donc, allez voir leur compte Instagram. Je vous mettrai tout là. Je vais vous faire défiler des petites vidéos. Bien évidemment, je leur ai demandé l'autorisation. Voilà. Cette société Kit and Kif a été créée qu'il y a un an. Donc, c'est des toute jeune petite entreprise, petite société. C'est éco-responsable et en plus, donc, c'est 100% français. Et en fait, elles ont mis Alexia a trouvé un slogan pour ce petit monde particulier. Tout le monde devient artiste. Parce qu'en fait, ce kit nomade aquarelle, vous avez des couleurs de base. Je vous montrerai bien évidemment des photos. Et avec, vous avez un pinceau à réservoir d'eau pour faire l'aquarelle. Il y a une fiche aussi explicative sur la colorimétrie pour vous faire des mélanges. Et en fait, vous pouvez partir dans votre imagination. Vous pouvez être au bord de la plage, en haut d'une montagne, dans un train, dans un avion, vous pouvez l'amener partout. Et des mandalas, franchement, pendant le confinement, je voulais en colorier, mais bon, sans plus. Et là, le fait que ça soit avec de l'aquarelle, ça m'a beaucoup plus parlé, parce qu'on peut mettre quand même beaucoup plus de couleurs, de douceur. Et j'ai vu qu'elles ont fait le CSF pour la première fois. Donc j'étais trop contente, donc j'y suis allée le jeudi. C'était vraiment ce que je voulais aller voir en premier pour les rencontrer. J'ai rencontré toute la petite famille, donc Alexia, Romana et le papa qui étaient là. Et j'ai tout de suite dit, je prends le livre. Ça, c'était sûr, obligé. Et donc j'ai parlé avec Alexia. Et donc, elle m'a réexpliqué son concept, tout ça. Et à un moment, j'ai tourné la tête. Il y avait un beau présentoir en bois où j'ai vu des formats A4. Et j'ai regardé et je suis tombée amoureuse d'un arbre de vie. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous en avez d'autres? Elle me dit, oui, bien sûr, on a plusieurs modèles. Je lui ai demandé si elle pouvait me les montrer. Donc, elle me les a montrés. C'est des formats A4. Donc avec du papier d'aquarelle, elles les ont créées spécialement, me semble-t-il, pour le CSF. Avant, elles ne les vendaient pas. Donc vous voyez, c'est un format comme ça. C'est du papier vraiment aquarelle qui ne gondole absolument pas. Il est d'une qualité. Je peux vous dire que moi, j'achète du papier aquarelle de chez Action, vraiment pour m'entraîner, pour faire des bases. Et ensuite, j'ai du Clairefontaine et j'ai une autre marque qui est très connue qui coûte la peau des fesses. Je crois que mon carnet A4, je l'avais payé 45 euros, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment du bon papier de qualité parce que c'est du papier coton, 100% coton. Alors là, je n'ai pas demandé, mais je pense qu'il y a pas mal de coton parce que vraiment, il ne gondole pas. Donc, Alexia, je lui dis, voilà, oui, moi, je fais de l'aquarelle depuis quelques temps. Et j'aime ça, ça me détend. Et quand j'ai vu l'arbre de vie pour lequel j'ai d'abord craqué, elle m'a dit, mais il y a aussi celui-ci, il y a aussi celui-là. Et là, j'ai eu un déclic. Mais vraiment, j'ai été pris d'une émotion. Alors en plus, ces deux femmes, je vous dis, mais c'est des soleils. Quand j'ai vu les arbres, je lui ai dit, mais c'est une trilogie en fait. Elle me dit oui, tout à fait. C'est vraiment une trilogie. Et je lui dis, écoutez, je vais vous prendre les trois. J'en ai pris même un peu. J'en ai pris un peu plus. J'en ai pris en fait quatre. Mais j'ai pris une trilogie. Et je me suis dit, Cathy, tu as trouvé ton cadeau de Noël pour tes amis. Donc vous savez très bien que Sonia et Virginie, ce sont des vrais amis.
Elles ont plus maintenant un stade de grande sœur, de petite sœur. Ce côté bienveillante, vous savez qu'on voilà, on a une relation d'amie, de sœur, de confidente et tout. Et vous savez aussi que j'aime bien faire des cadeaux aux gens que j'aime. Alors, petit, comme je vous ai dit, moi je ne mets pas la valeur du cadeau dans l'argent, c'est pas ça qui compte. C'est pas parce que vous allez acheter un cadeau à 2000 euros que la personne va peut-être plus vous aimer ou quoi que ce soit. Moi, je fais plus des cadeaux symboliques. Et cette année, je voulais vraiment chercher des cadeaux symboliques pour Sonia et Virginie parce qu'il y a plein de changements. Je crois qu'on... Ces deux femmes déjà battantes, aussi bien Sonia que Virginie. Et je voulais que ce cadeau de Noël soit vraiment la symbolisation d'une nouvelle vie. Voilà. Mais je voulais un symbole fort, surtout pour notre amitié à toutes les trois. L'amitié que j'ai pour Sonia, qui est une personne battante, qui ne se plaint jamais, qui vous donne une énergie dès le matin, qui vous positive, qui vous trouve les mots justes lorsque vous n'allez pas bien. Virginie, pareil. On a notre grain de folie très souvent. Parfois, on n'a pas envie de parler parce qu'on n'est pas bien, mais on sait s'écouter, on sait s'échanger. Bref, c'est une très grande amitié. Donc, quand j'ai vu cette trilogie d'arbres, je me suis dit, tu vas les prendre. Et un arbre de vie, ça représente la force, la racine. Et quand je les ai achetés, ça m'a pas mal travaillé pendant 2-3 nuits parce que je me suis dit, Cathy, je veux à tout prix que dans ces arbres de vie, lorsque tu vas l'offrir à Sonia, lorsque Virginie va l'avoir, je vais leur envoyer par la poste. Je veux que quand elles le reçoivent, quand elles le regardent, que ce soit Sonia ou Virginie, qu'elles aient toujours une pensée positive, de prendre la force dans cet arbre de vie. Et quand on va le regarder, on pensera toujours à l'une ou l'autre. Soit Sonia, soit Virginie, soit nous trois, à nos moments, à nos éclats de rire, à nos faiblesses. Mais je veux aussi que ce symbole d'arbre leur renvoie la force qu'elles ont pour se battre, pour avancer dans la vie, pour faire leurs choix, pour que ce soit vraiment quelque chose de très spirituel et quelque chose qui leur rappelle que c'est des femmes incroyables. Quand j'ai parlé de cette histoire à Alexia, elle a trouvé ça, mais hyper émouvant. Elle m'a dit, franchement, vous m'avez tellement touchée avec votre histoire. On parle en privé sur Instagram. Je lui montre un peu les évolutions des tableaux. Franchement, elle m'a touchée parce qu'elle m'a dit, ils sont juste magnifiques. Et je peux m'envoyer des fleurs. Vraiment, ils sont juste dingues. Donc, je vais vous les montrer. Parce que, alors, évidemment, hein, comme je vous ai dit, les bombasses n'ont pas le droit de la regarder. Vous avez bien compris pourquoi. Et franchement, je suis trop fière. Le tout premier que j'ai, pas que j'ai peint, mais je les ai choisis pour... Alors celui-ci, en fait, je vais vous le montrer. Le voici, le voilà. Celui-ci, alors, oh là là, il y a du reflet. Alors je vais le mettre plus comme ça. Celui-ci, je l'ai fait pour Sonia. Donc vous voyez, j'ai mis du violet, du rose, du vert. Bah, écoutez, le violet, Cathy aime, le rose, Virginie. Il y a des oiseaux couleur jaune avec de l'or qui signifie le soleil, la force, la lumière. Nous avons donc le vert. Bah, écoutez, vous savez très bien qu'elle adore le vert. Voilà, donc celui-ci. Alors par contre, j'ai rien pris pour les caler et je ne veux surtout pas les casser. Donc ça, c'est celui de Sonia. Celui de Virginie, le voici. Et vous voyez, nous avons les mêmes symboles, nous avons la même jarre,
Le cadre est pareil. Nous avons cette arche. Alors moi, je l'ai appelée dans ma tête quand je l'ai peint, parce que vous savez que quand je peins tout, je me mets dans une bulle et je lui donne ma peinture. J'essaye de ressentir des émotions. Et lorsque j'ai donc peint cette arche, pour moi, c'est de la protection. Vous voyez, elle entoure cet arbre pour pas que cet arbre de vie soit cassé. Nous avons des oiseaux. Alors, j'ai mis du vert aussi à Virginie, bien évidemment. J'ai remis toutes les codes couleurs que nous aimons toutes. Voilà, je vous le montre. Bien évidemment, vous pouvez, je pense, les acheter. Hein, parce que c'est un format qui a énormément plu au CSF. Regardez, encadré, comment c'est juste magnifique. Alors, franchement, si vous voulez vous faire les trois et vous mettre les trois, je trouve ça mais juste incroyable. Et je vais vous montrer le mien. Le voici, le voilà. Alors, il n'est pas encadré. Oui, pourquoi? Parce qu'hier, je suis allée à Action, donc vous avez dû voir un haul. Je ne vous ai pas montré les cadres, mais je n'avais pas de cadre pour moi. Voilà, voilà. Donc, il faut que j'y retourne. J'ai préféré prendre les cadres pour les filles. Et moi, écoutez, je peux attendre un petit peu. C'est pas très, très grave parce que j'ai aussi mon arbre. Donc, nous avons toujours les oiseaux, cette arche commune. J'ai remis les mêmes couleurs, les mêmes codes. Voilà. Donc, nous avons chacune notre arbre de vie de la trilogie Inspiration Mandala indienne qui a été, voilà, produit par Romana et Alexia. Franchement, je suis en admiration du travail qu'elles ont fait, de la qualité du papier. Je suis mes aux anges. Ici, je l'ai choisi, voilà, pour ma fille. Donc, vous voyez, il est comme ceci au départ. Et même si vous ne savez pas peindre ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin. C'est dessiné, vous avez juste à mettre vos couleurs. Écoutez, moi, quand j'ai fait ces dessins, enfin, l'aquarelle, je me suis mis avec de la musique. Oh, mais quel bonheur! Mais j'étais sereine, j'étais bien. Franchement, j'étais trop, trop bien. Donc, je vais m'attaquer pour ma fille très bientôt. Il faut juste que je lui redemande certaines couleurs. Je vais lui encadrer. Donc, j'irai lui acheter un cadre aussi pour qu'elle puisse l'encadrer. Et le mettre dans sa chambre. Donc, si vous êtes intéressé, alors, on va mettre tout de suite les choses au clair. Certes, je suis tombée vraiment sous le charme de cette marque. Je pense racheter des dessins pour pouvoir en faire d'autres. Mais je ne suis pas du tout sponsorisée par Atelier Mandala ou Kit & Kif. Pas du tout. Elles ne m'ont pas demandé. J'ai juste dit à Alexia, écoutez, parce que je la vous vois, écoutez, je ferai une vidéo en vlogmas spécialement sur ça. Je voulais la faire un peu plus tard, mais je ne pourrais pas la faire un peu plus tard. Aujourd'hui, j'ai le temps, donc je la fais aujourd'hui et je suis trop contente de l'avoir faite aujourd'hui. Elle m'a dit, oh, vous êtes... Elle m'a dit, vous êtes trop, trop gentille. Merci beaucoup. Elle m'a donné, oui, les mots-clés de ces sociétés, parce que, de ces créations et de tout. Parce qu'on oublie. Hein. Mais je ne suis pas du tout. J'ai payé tout au CSF. Alors, les affiches A4 sont au prix de 15€. L'illustration. Et le kit Nomade qu'elles ont aussi, il est à 20€. Vous avez l'aquarelle, vous avez plusieurs cartes, c'est en A3, et vous avez le pinceau aquarelle. Je trouve que c'est un super cadeau. C'est un moment d'une bulle incroyable. Vous pouvez en plus les peindre et les envoyer plus tard pour des cartes d'anniversaire ou quoi que ce soit. Franchement, j'ai adoré. Elles font des ateliers. Alors, je crois, j'ai vu passer hier soir, elles vont ouvrir un nouveau lieu sur l'île. Donc, Paul, si tu regardes cette vidéo, je t'invite à aller
les rencontrer parce que je pense que tu vas trouver une sérénité, un bonheur, et je serai même certaine qu'elles arriveront à te faire peindre un petit peu en aquarelle, et tu penseras à moi, je pense que tu me diras « Oh, merci Cathy !» Mais si vous êtes sur l'île, dans cette région, écoutez, je vous invite, si vous avez envie en même temps d'apprendre à cuisiner de la cuisine indienne. Moi, je sais que j'ai vu. Oh, mais regardez-moi ça. En plus, les photos sont juste magnifiques. Vous savez, moi, j'ai mangé 10 fois en regardant le livre. Vraiment. Je suis... je crois que je vais faire une recette incessamment sous peu. Yaourt au concombre. Yaourt aux crudités. Alors, les noms, je ne vais pas vous les dire en indien. Hein, mais regardez-moi ce mandala. Comme il est beau. Et franchement, moi, mandala, ça veut dire crayon de couleur, vous voyez. Et en fait, à l'aquarelle, je trouve que ça rend complètement autre chose. Donc, je suis plutôt contente. Elle vous apprend à faire les pains. Et la maman, donc Romana, en fait, vous fait des ateliers culinaires et vous pouvez aller cuisiner, peindre et trouver une bulle de bonheur. Moi, je trouve que le concept, il est juste génial. Voilà, donc, voilà pour cette, ces ateliers mandala et kit and kiff. Un peu de mal, la Cathy, quand même, mais moi, je suis ravie. Je pense que les filles... vont être assez touchées, pouvoir faire celui de ma fille. Et maintenant, je vais vous parler, parce que comme c'est la vidéo spéciale cadeau de Noël, en deuxième partie, je vais vous montrer ce que j'ai rajouté dans les cadeaux. Alors, en deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer le reste des cadeaux. Et en fait, c'est que du symbole. Pour les filles, donc elles n'ont toujours pas le droit de la regarder, toujours pas, hein. Et je sais qu'elles s'y tiendront parce que sinon ça va crier. Alors, quand je suis allée à Bordeaux sur le mois d'octobre, novembre, je ne sais plus, je suis allée à Andernos, et à Andernos il y a une boutique qui vend des pierres, et j'ai acheté 2 petites pierres à mes bombasses. Différentes. Alors, vous allez rire. Il y en a une qui a une croix. Parce que j'ai dit à la vendeuse, mettez-moi une petite croix sur la pierre, sur le paquet. Comme ça, je saurai à qui c'est. Est-ce que vous croyez que la Cathy ne sait plus? Je ne sais plus pour qui c'est. Alors, à travers, je ne peux pas voir. À l'intérieur, elles ont la signification de la pierre, ce qu'elle leur apporte. Bien évidemment, je leur ai choisi des pierres qui leur correspondaient dans les besoins et pour les besoins futurs. Donc, 2 petites pierres. Alors, vous voyez, certes, c'est pas grand-chose, mais il y a un symbole. Et ça, elles y feront très attention. Pour Virginie, je lui ai trouvé au CSF. Quand je l'ai vu, oh ben, j'ai dit, j'ai trouvé. Un petit porte-clés sirène. Non, mais regardez-moi ça. Je l'ai acheté chez Liz Taylor. Voilà, je ne savais même pas qu'elle en faisait. Attendez, là voilà. Oh! Et regardez-moi cette sirène. Elle n'était pas faite pour elle. Il y a du vert. Ah ben, je vous le donne dans le mille. On va dire que c'est un parme. Parce que c'est un peu parme. Il y a une coquille Saint-Jacques un peu rose. Franchement, voilà. Pourquoi je vais acheter un porte-clés? Pourquoi je voulais lui trouver un joli porte-clés? Eh bien, pour sa nouvelle vie. Voilà, on met les clés du bonheur. Donc, c'est pour qu'elle ait les clés du bonheur. Voilà, et pour Sceau, je sais qu'elle avait craqué dans un live pour une dentelle chez Fitiou. Et donc, je lui ai acheté au CSF. Il y a du brillant, c'est du rose parme. Enfin, c'est un très beau rose, très poudré, très nude. Je veux dire, je pense que Virginie, elle la voit, elle adore. Moi, je l'adore. Et je veux qu'elle se fasse le plus beau des ensembles
En fait, ça va être un ensemble bombasse. Vous voyez le tulle là? Voilà, c'est exactement la bonne couleur. Je veux que dans cette dentelle, elle se fasse le plus beau des ensembles voilà, de bombasse. Alors, pour couronner le tout, bah, écoutez, je me suis dit, attends, elle ne va pas se casser la tête et tout. Bah, en fait, je lui ai pris tout le kit. Voilà. Virginie aura un autre cadeau, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Je suis en pleine recherche, mais je ne le trouve pas, donc ça commence à m'énerver sérieusement. Et voilà, en fait, le kit complet pour ma petite sceau. Et voilà, je veux qu'elle se fasse, en fait, quand elle va le mettre, c'est l'ensemble bombasse. Et voilà. Donc voilà, tous les petits cadeaux symboliques pour mes chéris. Donc, les filles, quand vous regarderez cette vidéo, Noël, je pense, sera passé et vous aurez ouvert tous vos petits cadeaux. J'espère que ça vous a fait plaisir. Bien évidemment, ça va être accompagné d'un mot parce que je veux qu'elles comprennent le symbole de ces trois arbres de vie. Je peux vous dire que bah déjà, je suis pressée d'aller cuisiner. Donc, il faut que j'aille acheter des petites choses, voir la recette que je veux faire, mais je veux en faire une. Et sûrement recommander sur le mois de janvier d'autres mandalas à peindre. Et j'en serai, voilà, je serai super contente. Donc, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. En tout cas, j'étais ravie de faire cette vidéo remplie d'émotions. Et je vous invite à découvrir ces deux contes parce que franchement, quand vous n'allez pas bien et que vous voyez ces deux femmes extraordinaires avec le soleil, un sourire éclatant, qu'est-ce que ça fait du bien au cœur. Et puis, comme je vous dis, ça fait du bien de voyager, même si on ne peut pas beaucoup. En tout cas, elles nous font voyager. Et moi, je suis tombée sous le charme vraiment de cette marque. Je vais vraiment les suivre. Et je pense, ouais, je pense même, pourquoi pas aller à Lille et voilà, un peu plus les connaître et apprendre des choses et voilà, et s'enrichir de bonté, de bonheur, de tout ce que vous voulez. Et je trouve que quand on a une marque comme ça, où on est vraiment sous le charme, bah, faut la mettre en avant. C'est une petite entreprise française. Et bah moi, c'est voilà, il y a de l'aquarelle, de la cuisine. Que vous demande le peuple? Que vous demande le peuple? Voilà, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à bientôt, mes bombasses. Écoutez, je vous aime. J'espère que vos petits cadeaux de Noël vous auront plu. En tout cas, moi, j'y ai mis tout mon cœur, toute mon amitié. Et vous savez, c'est pour une bonne partie de notre vie. Allez, des bisous. Salut tout le monde.